que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. Comme d'habitude, on a fait un drive chez Auchan. Donc, on va commencer par le plus glamour, comme ça c'est fait longtemps. On a pris évidemment du papier toilette parce qu'on en a besoin. Pour Antoine, j'ai pris des petits pains. Je crois que j'en ai pris deux. J'ai pris deux paquets comme ça de petits pains pré-cuits pour lui. Et pour moi, notamment pour le matin, j'ai pris du pain comme ça aux céréales. J'ai repris les souplines comme ça. J'avais utilisé une... Enfin, c'était en promo sur le drive. Et en fait, c'est pour le sèche-linge. Et j'adore, du coup, j'en ai racheté. Alors, je sais que c'est pas du tout écologique. Mais vraiment, ça fait sentir bon le linge, notamment mon linge de piscine, que je passe au sèche-linge, les serviettes. Cette semaine, on va faire des lasagnes aux épinards, on va faire une... je vais faire pour moi en tout cas de la salade feta, tortille, pois chiche et cœur de laitue. Il y a quoi? Il y a des spaghettis bolognaise de prévu et je vais faire également une soupe de petits marrons au petit corail. J'avais déjà fait, mais je n'avais pas fini, je crois. J'ai pris donc pour les spaghettis, j'ai pris des, du coulis de tomate nature. J'en avais besoin de qu'un, mais il y avait une promo sur, sur les trois. Donc comme c'est bon jusqu'en 2023, j'en ai profité. Alors ça non plus, on est d'accord que c'est pas écologique. Bon, c'est des fibres 100% d'origine naturelle. C'est du papier toilette humide. J'avais vu ça sur les retours de course, je crois, de Bérangère. Et en fait, je vous ai expliqué dans le vlog qui est sorti la semaine dernière. En fait, il sort demain pour vous, mais en fait, c'était la semaine dernière, donc le retour de course sera la semaine prochaine. Quand je suis mon cycle, en fait, je me sens toujours pas très propre, je pense, comme tout le monde. Et je pense que ça va m'aider sur, juste sur le jour. Mon cycle dure 3 jours, juste sur le jour où, où ça, le flux est vraiment intense. Donc voilà, j'ai pris ça pour essayer de me sentir mieux et propre toute la journée quand j'ai mon cycle. Alors, j'ai pris également... des kiwis Sun Gold pour Antoine et j'ai pris deux carottes pour les spaghettis bolo que je vais faire au cookéo. D'ailleurs, j'ai jamais fait au cookéo et là, tout se fait au cookéo, donc je vais essayer pour une fois. J'ai l'impression de m'être fait voler, en fait j'ai acheté ça pour essayer parce que j'adore les Ferrero Rocher et je pensais que c'était de la taille d'une tablette standard pour 2 €. Ah bah non, c'est tout petit, franchement j'ai vraiment une petite main, ça fait la taille de ma main. Donc c'est un format poche, hein, la tablette à 2 balles, la tablette Ferrero Rocher. Donc bah écoutez, je vais goûter mais c'est sûr et certain que je ne rachèterai pas, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. En fruits, en plus des kiwis, j'ai pris des bananes et j'ai pris des pommes, des pink kids, ça s'appelle ça. C'est des pink lady, je crois. Oui, pink lady, mais pour attirer les gosses, c'est des mignons. Voilà. J'ai repris du chocolat en poudre, un pour la maison et un pour ramener au travail. J'ai pris ça là pour mettre dans les toilettes, j'ai pas trouvé celui que je prends avec la mèche de d'habitude. Là c'est la marque Glade et l'autre je crois que c'est Airwick que je prends d'habitude. Mais là en fait juste à ouvrir et du coup ça diffuse tout le temps donc je vais voir, c'est peut-être bien aussi. J'ai pris des oignons rouges parce que ça je vais aussi en mettre dans ma salade, je les avais pas cités. J'ai également pris des tomates entières pelées pour les spaghettis. Évidemment j'ai pris des spaghettis et j'ai pris des pâtes d'Alsace. J'avais du sauvé, j'ai oublié, je me dépêche. Ça c'est les bons de couteau, on les garde parce qu'on va en prendre. J'ai pris des pains au chocolat comme ça pour quand ma soeur et mon beau-frère seront à la maison la semaine prochaine. Et j'ai pris des épinards en branche pour faire mes lasagnes. Et j'ai pris des pommes de film comme ça, j'ai fait la marque McCain pour essayer pour Antoine quand il a envie de manger autre chose que ce que je mange. Parce que parfois, ce que je mange, il n'a pas envie d'en manger. Donc du coup, on pourra dégrainer les pommes de film. Je range, je reviens. En viande, j'ai pris des côtes de porc parce que moi j'aime ça, Antoine n'en mange pas. Et en parlant avec ma collègue la semaine dernière, je me suis dit c'est vrai que j'aime ça, j'en achète jamais parce que Antoine n'en mange pas trop du tout, n'en mange pas. Et du coup je me suis dit qu'un midi où je suis toute seule, je pourrais en manger. Et j'ai pris des cheveux d'ange steak haché pour les bolognaises. Et en viande, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai pris du cœur de laitue pour ma salade et puis peut-être qu'on en rajoutera des lasagnes, je ne sais pas. Alors là, j'ai été complètement influencée par Double Lu, donc Lu Divine.
qui achète ça, du soignon mi-chèvre, et qui dit que c'était trop bon. Donc du coup j'en ai acheté pour goûter, et donc bah, on verra. Donc voilà, on verra ce que ça vaut. Pour mes lasagnes, j'ai pris de la pâte à lasagne fraîche, parce que c'est quand même meilleur. J'ai pris pour Antoine des crèmes brûlées, je crois que c'est au caramel, mais je suis pas... Non, c'est... oui, avec sachet de caramel. Je pense que ça, il va bien aimer. Crème brûlée, il aime ça. J'ai pris également des yaourts nature de la marque Vrai, qui sont très bons. Les traditionnels yaourts d'Antoine, la marque Les 300, à la mûre et à la myrtille. D'ailleurs, lui, il préfère soit à la mûre et... En fait, ça n'existe pas, juste mûre. C'est toujours mûre et myrtille, deux de chaque. Donc, tant pis, mais il les mange quand même. J'ai également pris du fromage de brebis pour mettre dans ma salade. J'ai pris des purées créalines parce que je les aime vraiment beaucoup. Au niveau de la compo, c'est vraiment top. Et au moins, voilà, par exemple, côte de porc avec la purée, c'est nickel. Donc, j'ai pris l'écrasé de pommes de terre, deux carottes. Et j'ai pris aussi juste de la purée de carottes. Voilà. J'ai pris aussi du jambon. En cadeau, on a eu un sac cabas, en fait. À chaque fois qu'on va faire des courses au drive, il y a une sorte de calendrier de l'avant au drive et tous les jours on a un cadeau. Donc bah, aujourd'hui c'était le sac cabas. Et j'ai repris à boire pour Antoine, donc des cristallines. Et j'ai repris, il n'en avait plus donc il l'a ouvert direct, je lui ai repris du café en grains. Donc j'ai pris le Naturella, c'est du café bio. Donc, il l'aime bien. Lui il préfère le café en riz, mais sur le drive c'est le seul qu'il aime bien. J'aime trop l'odeur. Je déteste le café. Mais j'aime trop l'odeur. Et donc voilà pour ce petit retour de course. Il va nous durer un petit moment. Mais je vous ferai un petit appoint la semaine prochaine pour quand ma soeur et son copain seront à la maison. Et voilà. Donc j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. Et puis bah, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao! You.